Salut tout le monde, c'est Warfit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça faisait quand même quelques temps que j'en avais pas fait. Mais suite à une proba avec Alex Gaming, c'est-à-dire lui, et que j'ai perdu, mais ça ne le dit à personne. Eh ben, je me retrouve à faire une vidéo sur Idle Prison Empire. Bon, je sais plus trop ce que c'est, mais bon, c'est parti pour le télécharger. Idle Prison Empire. Ok, c'est bon. Après 3 minutes de patience, je peux enfin lancer le jeu. Ok, ça charge. Bon, étant donné que le jeu est à un écran vertical, le format de la vidéo va changer. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, voilà à quoi va ressembler le format de la vidéo maintenant, parce que sinon vous ne pourrez pas tout voir quand je jouerai. Bon, nous voilà au véritable écran de chargement. On se retrouve dès qu'on est sur le jeu. Bon bah c'est bon, on est arrivé sur le jeu. Bon là je vais devoir suivre le tutoriel, donc je vais le passer en accéléré parce que je pense que c'est un peu ennuyant de tout regarder. Bon, je crois que le tutoriel est fini. Maintenant je dois construire une nouvelle cellule pour mes prisonniers parce que sinon où vont-ils dormir? Le garde me parle encore. Bon, je crois que le tutoriel n'est pas fini. Regardez des pubs. Oh, j'ai pas envie de voir des pubs. Laissez-moi. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Oh, il y a un gars qui joue tout seul au basket. Bon, je vais lui améliorer son terrain parce que le gars il joue tout seul. Il joue dans les mauvaises herbes. Voilà. En plus, maintenant il s'est trouvé un pote. Par contre, je crois que j'ai un peu de perte toute ma thune. Bon, maintenant je pense que je vais un petit peu améliorer les prisons de mes prisonniers parce que ils vont rester quand même longtemps, il faut qu'ils soient dans un confort total. Hop, on leur prend des bibliothèques, on leur prend un bureau, on leur prend une ventilation, une radio. Allez, je suis sympa, une télé, comme ça ils pourront regarder les matchs de foot. Non, je rigole. Lui, on l'améliore son lit. Sa ventilation, son bureau, sa radio. On va lui mettre une télé pour que toutes les prisons soient équitables. Bon, qu'est-ce que je peux améliorer maintenant avec le peu d'argent que j'ai? Le terrain de basket, il est max. Voyons, voyons. Je vais regarder un peu ce qu'il y a dans la prison. Ok, là c'est pour acheter des nouveaux employés. Alors ici c'est pour... Ah, des nouvelles cellules. Bon, déjà le temps que je remplisse les premières cellules. Ici c'est l'infirmerie. Quoi d'autre? Tiens, il y a des nouveaux prisonniers qui arrivent. Surtout que je viens d'acheter une nouvelle prison, donc ils vont pouvoir aller dedans. Combien est-ce qu'il y en a? 2. Oula, c'est des vieux papis. Eux ils sont en prison pour viol, je suis sûr. Bon, nous voilà dans l'endroit où ils se lavent. Je vais leur construire quelques douches parce que quand même, ils vont pas être 10 à se battre pour une douche. Hop, voilà, quelques douches. On va leur rajouter des toilettes parce que, imagine, ils sont plusieurs à avoir une envie pressante. Les lavabos. Hop, c'est bon, toutes les toilettes. On les améliore, les toilettes, parce que quand même, faut une toilette de qualité. Oh, j'ai reçu une mission. Bon, bah, ça me fait un petit peu de thunes, c'est cool. On va améliorer cette douche. Wow. En fait, ils se voient à poil. On va mettre des... Faut qu'on les mette tout niveau 3 pour plus qu'ils se voient. Bon, après, si ça les dérange pas, moi, perso, si j'étais en prison, j'aurais un peu plus d'intimité. Les lavabos, on les max. Maintenant, c'est autour des prisons. Et en fait, ça consomme beaucoup d'eau, je me rends compte. D'électricité aussi. 44 d'eau. 45 maintenant. Bon, après, ça va. Si on regarde en haut, j'en ai 200. Hop, bon, je commençais un petit peu à manquer d'argent. Mince, je me rends compte que j'ai pas de cuisinier. Mince, faut que j'en recrute un. S'il y a ce mec qui a faim, il va mourir de faim à cause de moi. Oula, il y a un des prisonniers qui s'échappe. Vous croyez qu'il s'échappe parce qu'il a faim? Oula, il s'est pris un sacré coup de massue. C'est cool, je viens de recevoir mes bénéfices, je vais pouvoir m'acheter mon cuistot. Oula, qu'est-ce qu'il fait ce bus? Tiens, d'ailleurs, j'avais dit que toutes les cellules seraient équitables, du coup, je vais acheter 2-3 trucs pour cette dernière cellule.
contre là j'ai fait un record. Non mais regardez mon argent, j'ai 0 euros. Bon bah je crois qu'il est temps d'acheter une petite offre hein, et de faire un peu vivre le jeu. Alors c'est quoi l'offre la plus chère? Celle-là à 35 euros. Oh ça va, je suis riche, hein, la YouTube monnaie. Hop, c'est bon, on achète, c'est parti, on va être riche maintenant. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker parce qu'elle m'a quand même pris un peu de temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si vous voulez un prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je verrai en fonction des commentaires si j'en fais un autre ou pas. Et du coup, à plus pour une prochaine vidéo si j'en fais.